L'éclosion. L'éclosion, c'est comme une double naissance, une renaissance. Je brûle d'impatience comme de l'essence. Je demande quelques minutes d'attention pour le petit garçon qui jouait seul avec son micro et ses réflexions. Isolé dans sa coquille, comme au plus profond de ses entrailles, son flot, ses mots à partir de ses embrailles. Et c'est ainsi qu'il passe ses après-midi après les cours. Dans son cocon, claque le beat. À s'en rendre sourd, il se fait ses propres cassettes. Découvre les faces B, bien loin les clichés casquettes. Spliff et aspect, il inspecte des contrées jusqu'ici inexplorées. Voit dans le rap une fresque vierge qu'il se doit de colorer. Et toujours sous protection, dans son œuf et son délire, il n'en perd pas moins quelques plumes, il faut bien le dire. Oublie les cours, redouble une année scolaire, mais heureux, il se dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et chaque soir, il réécoute les cassettes enregistrées le jour même, apprend des dizaines de textes pour ça, pas de problème. Si bien que les cours d'histoire dans sa mémoire n'ont plus de place, hélas, il s'enlace et laisse l'art pénétrer sa carcasse. L'éclosion, c'est comme une double naissance, une renaissance, un nouveau départ. Qu'est-ce que tu penses du petit homeboy qui à la base passait le temps, est devenu grand, veut maintenant bercer tes tympans. L'éclosion, c'est comme une double naissance, une renaissance, un nouveau départ. Qu'est-ce que tu penses du petit homeboy qui à la base passait le temps, est devenu grand, veut maintenant bercer tes tympans. Puis s'ensuit des années pleines de rimes et de musique, la gymnastique verbale, il la travaille, il s'applique. Puis il tâte un peu l'instru, là il découvre le paradis. Premier beat calé sur le sample, la mélodie lui semble infinie. Mais des rapaces d'envergure, surtout de mauvais augure, rigolent en te voyant faire, pensant qu'il n'a pas d'allure. Neuf et transparent mais hermétique à toute critique, du moins celles qui sont gratuites venant d'antipathiques. J'ai voulu faire des instrus, je me demande si c'était voulu ou bien si on m'y a poussé inconsciemment. Ça me paraît tendu, je ne me souviens plus, mais aujourd'hui je ne peux pas nier, je n'ai tout simplement pas mis tous mes œufs dans le même panier. Je suis passé de la troisième personne à la première, car c'est ici que j'entre en scène avec mon expérience derrière. L'éclosion s'apprête à se faire, c'est le début d'une nouvelle ère et la fin d'une époque où s'amusait le petit One Air. L'éclosion, c'est comme une double naissance, une renaissance, un nouveau départ. Qu'est-ce que tu penses du petit homeboy qui à la base passait le temps, est devenu grand, veut maintenant bercer tes tympans. L'éclosion, c'est comme une double naissance, une renaissance, un nouveau départ. Qu'est-ce que tu penses du petit homeboy qui à la base passait le temps, est devenu grand, veut maintenant bercer tes tympans. À toute cette culture, c'est une nouvelle période, donc voici l'avènement. Je fais tout pour qu'elle dure et pour cela j'amènement. L'embryon a grandi, s'est développé pour devenir fœtus, la graine a germé, l'œuf éclos à travers cet opus. Et un de plus vont pouvoir dire les nombreux acteurs, ils connaissent leur texte par cœur, si bien qu'on dirait des acteurs. Le processus est inchangé, il se répète sans variation, pourtant il faut s'attendre à du changement, car voici l'éclosion.